Et voilà, c'est le jour J. Dans quelques minutes, le coup d'envoi de 7 euros va être donné. On va vivre ça ensemble dans un instant. Salut à toutes et à tous, ça fait du bien de se rejoindre comme ça pour ce match. On n'est pas n'importe où, on est à l'Arena Auf Schalke. Dans vos oreilles, la team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi. Et Omar Da Fonseca, évidemment, c'est Louis. Au programme, première journée dans cette Euro 2024, la Serbie face à l'Angleterre. Les compétitions, ça se joue toujours sur une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire. Il ne faut pas perdre de points bêtement. C'est la compo de la Serbie. Au programme, c'est donc un 5-2-2-1. On va voir comment ça évolue dans le jeu. C'est ça qui compte. Voici le 11 pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford, John Stones avec Maguire en défense centrale. Phil Foden sera avec Saka sur les ailes. Et enfin, Harry Kane en pointe. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Alexander Arnold. Walker. Le ballon pour Alexander Arnold. Le ballon pour Jude Bellingham. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Nemanja Gudelj, Ilić, Gudelj à la réception, Filip Kostić, et ce ballon est récupéré. Walker, Declan Rice. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Angleterre. Alexander Arnold avec le ballon. Bukayo Saka. Le ballon pour Alexander Arnold. Saka. Ça revient sur Alexander Arnold. Très bien défendu là. Ilić. Gudelj à la réception. Milenkovic. Zivkovic. Mitrovic. Avec Milinkovic-Savic.
Aleksandar Mitrovic. Une offensive qui peut amener quelque chose là. Mitrovic. La sortie est pleine d'autorité, c'est bien joué ça. Oui, avec la balle, il faut se... Oh, la mauvaise relance, attention. Et c'est le but, personne n'a vraiment compris là. Et derrière, évidemment, c'est bien exploité. Ce but, c'est l'histoire d'une balle à relâcher qui finit dans tes propres filets. Ah, c'est pas une histoire drôle. Au tableau d'affichage, Foden. C'est pour Alexander Arnold. Declan Rice. Foden. Phil Foden gagne du terrain. Ah non, finalement le ballon est perdu. Filip Kostić. Rania. Ilic. Pavlovic. Ah, évidemment, pas besoin de pousser. Il mène au score. Alors, autant conserver le ballon. Milinkovic-Savic. Udel. Milinkovic. Velkovic. Ça sort en touche pour l'Angleterre. Et la récupération du ballon. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. C'est difficile à négocier et ce ballon sort. Maguire. Le ballon pour Alexander Arnold. Et c'est pour Phil Foden. Et la grosse intervention là. Mitrovic. Ça passe par Declan Rice. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Foden. Et ça rejoue encore sur Phil Foden. Oui, bien placé là. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. Le point de départ de ce but, c'est sur une 2, comme si on jouait contre un mur. Sur la conclusion, le petit côté est bien trouvé. Mais on peut quand même se demander si le gardien a eu la bonne lecture. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Ilic. Nemanja Gudel. Gudel à la réception. Ouais, bonne intervention là. Bukayo Saka. Ilic. Filip Kostić. Le ballon vers Gudel. Aleksandar Mitrovic. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic. L'action se poursuit dans le camp adverse.
Et ça joue sur Milinkovic-Savic. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Declan Rice. Et ça joue pour Trippier. Bellingham. Foden. Ça joue avec Declan Rice maintenant. Bellingham. Une minute de temps additionnel. Attention, qu'on mène au score peut-être. Et oui, c'est dedans, but. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé sur cette action. Comment c'est possible d'avoir presque toute la défense et que personne n'arrive à éloigner le danger? Il faut y aller, s'imposer. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Jude Bellingham y aura une bonne copie aujourd'hui. Ça s'annonce bien pour la suite. Ce but juste avant la mi-temps a permis de donner l'avantage à son équipe et de prendre beaucoup de positivité en vue de la seconde période. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Foden. Et c'est au fond des filets, l'égalisation, et voilà donc ce match relancé. Attention pour mener au score peut-être. Et oui, c'est dedans, but. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Oui, c'est bien défendu. Declan Rice. Et ça joue sur Harry Kane. Et c'est pour Bellingham. Alexander Mitrovic. Mitrovic. L'offensive de la Serbie progresse bien. Et ça joue sur Tadic. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Zivkovic. Milenkovic. Aleksandar Mitrovic. Declan Rice. Et la possession change de camp. Nemanja Gudelj. Ouais, très bien défendu. Bukayo Saka. Ça passe par Declan Rice. Alexander Arnold avec le ballon. Avec Saka. Le ballon pour Declan Rice.
Caio Saka reçoit le ballon. Superbe intervention dans la surface. Un bon contre un joué peut-être. Ilić. Aleksandar Mitrović. Le long ballon en retrait. Mitrović. Ce ballon pour Dusan Tadić. Du mouvement pour exploiter ce ballon. Bonne intervention du gardien. Et le changement va donc avoir lieu. Il a tiré dans la surface, c'est dégagé, aucun problème. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Foden. Phil Foden reçoit le ballon. Ah, devant le but, il faut frapper. Très bon geste défensif, c'était risqué. Ilić. Ah, là, il protège bien le ballon. Pavlović. Milinkovic-Savic. La bonne progression de Vlahović. Impeccable cette intervention. Bellingham. C'est pour Alexander Arnold. Walker. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Milenkovic. Ilić. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Ce ballon pour Dusan Tadić. Excellente défense dans la surface. Foden. Ça joue avec Declan Rice maintenant. Bellingham. Et voilà une bonne séquence de conservation avec le redoublement de passe pour gagner du temps. Et une bonne occasion là. Filip Kostić. Là, c'est pour Milinkovic-Savic. Et le ballon intercepté dans une zone dangereuse. Peut-être un bon contre à négocier là. Et c'est pour Alexander Arnold. Et c'est pour Bellingham. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini. L'égalisation est encore possible. Et changement pour les deux équipes. C'est joué par Foden. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Et l'arbitre met maintenant un terme à ce match. On va en rester là. Une défaite à la maison, c'est jamais bon. Le problème, ce n'est pas forcément de perdre d'un but d'écart à la fin. Ce qui compte, c'est la qualité de la prestation et les possibilités de gagner. Là, c'est Jude Bellingham qu'on voit. Et il a quasiment tout bien fait. Et voilà, quand il faut mettre le ballon au fond des filets et faire gagner son équipe, c'est son nom qu'on prononce en premier.
Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Foden. Et c'est au fond des filets, l'égalisation, et voilà donc ce match relancé. Attention pour mener au score peut-être. Et oui, c'est dedans, but.